On va faire 24 heures comme un Américain, c'est-à-dire que pendant 24 heures, on va manger comme un Américain ici à Paris. I wanna try this. Ah ouais, non. Le truc, c'est vraiment trop bon. Action. Yo les Frenchies, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un épisode un petit peu spécial parce que je suis en ce moment à Paris avec un invité spécial et on va faire des trucs exceptionnels aujourd'hui. L'invité, je vous le présente plus, d'accord? Peut-être que je vous le présente sur YouTube, je vous l'ai jamais présenté. C'est monsieur Julien. Frenchie bro. Frenchie bro, ouais. Frenchie bro. Toi, tu te donnes un titre, mais genre là, tu te prends pour qui? Normal. Sérieux. Frenchie bro? La star de ta chaîne. Non, mais je vais m'énerver là, je te jure. Waouh. Je vous ai pas dit, mon frère fait des cours Florent, donc il s'entraîne genre tout le temps, tous les jours. Et au fait, Julien, dis-moi, quel est le truc le plus américain? Parce que t'es jamais allé aux États-Unis. Jamais. J'ai jamais. Bientôt, j'espère. Mais c'est quoi le truc le plus américain que t'aies jamais mangé de toute ta life? On a fait une vidéo ensemble d'ailleurs. Gumbo Yaya, les waffle chicken. Alors, Gumbo Yaya, c'est un concept de restaurant. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs il y a à peu près un an. Voilà. Où c'est de la soul food. Donc, vous avez des gaufres et du poulet pour le petit-déj. Vous avez avec des du sirop d'érable. Du sirop d'érable, des sodas américains. American. Bref, très américain. C'est le truc le plus américain que t'as mangé? Je pense, ouais. Bah, tu m'as jamais fait tester d'autres trucs plus américains. Je t'ai jamais cuisiné de mac and cheese? Jamais. Mais putain, mais quelle sœur indigne. Mais ouais. Quelle sœur indigne. Ok, je te retiens. On va se rattraper aujourd'hui. Je t'ai dit quoi, Jennifer? Arrête, s'il te plaît. Mais pourquoi? S'il y a des gens pour des doublages, appelez-moi. Tu fais pas ta pub sur ma chaîne, non mais là. Julien, on est arrivé. Moi, là, je vois le pizza burger. Cinnamon. Oh ouais. Ah ouais? Oh ouais. Fou, je suis un grand, grand fan des cinnamon rolls. Ce matin, les gars, pour le petit déjeuner, on se retrouve à le Roll In, qui est un spot qui fait des cinnamon rolls fait maison, et c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on peut trouver aux États-Unis, à savoir que les cinnamon rolls, c'est the truc pour le breakfast pour les Américains. Ça me donne faim. Ça te donne faim? J'ai trop la dalle, putain. Regardez, regardez, regardez comment c'est trop beau. C'est beau, hein? Franchement, putain, honnêtement, et ils sont huge. Ils sont vraiment, vraiment hyper gros, les trucs. Ça a l'air excellent, par contre, hein? Hâte de goûter, vraiment. Au dégoût, aujourd'hui, on a le caramel pécan, le myrtille blueberry, et on a bien sûr le fameux et le classique cinnamon roll. Waouh! Ah ouais, non. Il est beaucoup moins sucré qu'aux États-Unis, beaucoup plus quali que ce que j'ai pu manger aux States. Et le glaçage, on dirait un peu comme un espèce de glaçage sucré, mais avec un petit goût de yaourt. Rien à voir avec le glaçage beaucoup trop sucré qu'on a aux États-Unis. Waouh! C'est. T'as déjà mangé un cinnamon roll comme ça? Jamais. Moi, je les trouve dans les boulangeries et là, c'est 10 fois mieux. Cinnamon roll, noix de pécan, caramel. Vas-y, coupe, coupe, coupe. Bah. Et t'as intérêt à faire ça bien. Hein. Je sais. Il est en apprentissage encore. Regardez comment il bouge l'assiette. C'est pas à esthétique. Monsieur, ce n'est pas à esthétique. Et ouais, mais voyons. C'est pas mon métier. Alors, voyez voir, ça a l'air énorme quand même. Ça a l'air tellement bon. Regardez l'intérieur. Je crois que c'est le meilleur. Regardez l'intérieur, quoi. Franchement, c'est vraiment. En tête de moi, c'est vraiment. C'est une sorte de citronnade à la fraise et. C'est quoi cet acteur? Le pire, c'est que je suis comédien. Hein. Alors attends. Citron, fraise, fleur d'oranger. Citron, fraise, fleur d'oranger. Citron. C'est une citronnade, citron, fleur. Non, citron, fraise, fleur d'oranger. Et alors, verdict? Oh, c'est incroyable. Autour du blueberry, fais du labo. Autour du blueberry. Non, mais non! Coupe le blueberry, coupe le blueberry. Coupe le blueberry. Fais-moi un truc esthétique, arrête de bouger l'assiette. Bah, c'est pas possible. Wow, il est même fourré en fait. Il est fourré à la myrtille celui-là. Il est excellent. Bon, je mets partout, bordel. Non, mais partout, mais. C'est tellement. C'est généreux quoi. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que la patronne vient de me dire qu'en fait, en France, les gens ne mangeaient pas des cinnamon rolls pour le petit-déj, alors que c'est un repas typique du petit-déjeuner aux États-Unis, mais qu'ils le mangeaient pour le goûter. Ce qui fait qu'à 16, 17, 18 heures, là, elle a énormément de queue, alors que le matin, bah, il n'y a personne. Les Français, il faut manger le cinnamon roll le matin. C'est pour le petit-déjeuner. Je suis blindax. Mais blindax, là, j'ai même plus faim, mais il faut qu'on parte déjeuner. Besoin d'une sieste. Mon petit Juju, qu'as-tu pensé de ces fameux cinnamon rolls, à savoir qu'en fait, c'est les premiers vrais cinnamon rolls à Paris. C'était totalement différent de ce que j'avais goûté sur la capitale avant, et c'était vraiment super bon, beaucoup plus de goût, beaucoup plus de,
de textures et c'était... C'est du fait maison, quoi. Parfait. C'est du fait maison. C'est du fait maison. Quand on fait maison, à un moment donné. Bon, les gars, le prochain restaurant, ça va être vraiment un truc de fou. J'ai vraiment hâte de faire goûter à mon petit frère. Je pense qu'il va kiffer. En fait, les gars, si vous aimez la vidéo, abonnez-vous. Et si vous voulez me revoir, faut cliquer sur le pouce j'aime et vous abonner. C'est un peu un labyrinthe, hein, Paris. Hein. Mais non, n'importe quoi. Tu connais, toi, ici? Mais bien sûr que oui, je connais. J'ai habité ici. Finesse. Ah, et je vois le restaurant. Où ça? Tu vas voir, c'est un restaurant que tu vas kiffer. Ok, c'est de la barbac? C'est de la barbac. Ah, oh, c'est de la viande fumée. On se retrouve ce midi pour déjeuner au restaurant Melt. Vous avez plusieurs adresses sur Paris. C'est un restaurant typiquement américain, mais surtout typiquement barbecue. Et là, franchement, ça va être la régalade. Déjà l'odeur, et puis là, regarde. Regarde, là, là, là. Qu'est-ce là, qui là. Se passe, là? Oh, oh. Oh, lolo. Oh, merci. Wow. Julien, aujourd'hui je t'ai amené ici parce que ici, ce restaurant, Melt, c'est un restaurant qui fait du barbecue texan. Et vu que j'ai vécu au Texas, you know if you know, je vais être intransigeante sur les recettes texanes. Intransigeante. À la go. Alors? Je vais défier Lorraine pour qu'elle mange un piment. Il faut savoir qu'elle craint les piments à fond. Et moi, pas du tout. Du coup, je vais la forcer à manger un piment. Bon, Lorraine, cap ou pas cap de manger un piment? Oh, pas cap, arrête. Ok, mais juste parce que c'est toi. Vas-y. Ah, t'as pris un piment. J'ai pleuré. C'était très bon, mais franchement, il y en avait beaucoup. Donc, comme un vrai Américain, comme aux États-Unis, on va remballer ça dans un doggy bag. Merci pour l'accueil. Je crois que c'est le meilleur restaurant texan dans lequel j'ai mangé. C'était super bon. C'est vrai, mais en vraiment, plus, toi, incroyable. Toi, c'était la première fois que tu mangeais genre vraiment texan américain, genre le pulled pork, les ribs, etc. C'était super bon, par contre, c'était tellement chargé. On a pris des doggy bags, mais moi, j'ai plus faim. Là. Comment bien ça, t'as sûr. Plus faim? Mais il nous reste le goûter, Julien. Il nous reste le goûter. Oh putain. On va au goûter là, on non, va goûter. Non. Ah si, 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 non, on va goûter. Ah bah non, si. Je veux pas. Je veux pas. Je veux pas. Venir. Je veux pas. Avec moi. Va venir avec moi et on va goûter et je suis sûre que tu vas kiffer. Ah ouais? Ouais. Deal. Ok. Deal. Vas-y, attends, on a même pas craché. T'as pas vraiment craché? Non, non, toi non plus. Non. Ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que pour le goûter, il faut qu'on aille à l'autre bout de Paris. On a plus de 40 minutes de métro. Donc. Il vaut mieux y aller maintenant. Back dans les bacs. T'es content d'aller jusqu'à... où est-ce qu'on jusqu'à va? Jusqu'à Asnières-sur-Seine. Ça fait trois fois que tu refais le chemin. Ça fait trois fois qu'elle refait le chemin, les gars, j'en peux plus. Et là, ah non, c'est par là. Ah non, c'est par là. Ah non, c'est par là. Je suis très bonne en géographie. Je vois pas de quoi Lorraine vous parler. Et la géographie, telle une américaine. On dirait que tu sors tout droit des années 80. Oui, des années 80. Je me souviens de soirée. Goûter de Karen. Comme toi. Je suis pas une Karen. On se retrouve du coup chez les cookies de Karen qui sont des cookies à l'américaine fait maison. La boutique a ouvert il y a 6 mois. Elle se trouve en proche banlieue de Paris. Et honnêtement, ils ont des cookies super originaux, hyper bombés. T'as l'impression que c'est une boule de glace de cookies. C'est super impressionnant. On a le cookie original qui est chocolat noir fleur de sel. On a le cookie chocolat au lait beurre de cacahuète. Le fameux cookie pumpkin spice. Donc c'est le cookie de la saison. Et le cookie de Julien qui est le cookie... Bueno. Waouh. Waouh. C'est bon. Je la ressatte. Gustativement, c'est la meilleure des versions. Julien, t'as l'honneur de déguster le fameux cookie chaud. Je me sens comme un privilégié. Ne fais pas le sangouin là. Oh, oh, on a une cuillère. Tout droit dans l'estomac. C'est 10 fois mieux chaud. Non, t'as une cuillère. Pas fou dans la bouche. Par contre, là, après 4 cookies, le soupe texan, plus ce qu'il nous reste ce soir à manger, on va rouler. On sort tout juste des goûters de Karen et franchement, c'était mais juste... Excellent, j'en ai encore plein la bouche. J'avais déjà pas faim en rentrant, même si ça me donnait l'eau à la bouche. C'est sûr. Mais là, je t'assure que je suis pas prête pour ce soir. Et toi? Moi non plus. C'est quoi ton cookie préféré? Le pumpkin. Ouais, pareil. Le pumpkin. Le pumpkin, c'est un cookie du mois, donc il sera pas là tout le temps. Donc, mais c'est un cookie à la cannelle, à la citrouille. C'est très, très américain. Et c'est pour le coup, c'est trop bon. Bon, Julien, suite à ce fameux goûter,
Là, on est prêt à rouler, je pense. Hein. J'en peux plus, mais il y a encore un dernier spot où on doit aller. Mais avant ça, je vais quand même te montrer une petite surprise. On va marcher, on va aller éliminer. Tu connais ça ? Tout va bien, du coup. Éliminer, on va aller éliminer. Arrêtez de t'arrêter. À chaque fois, tu vois c'est une lampe à lave, Julien. C'est trop bien. On y va, il y a la surprise. Bon, allez, c'est bon. Les abonnés de Lorraine, mon anniversaire, c'est bientôt. Si vous voulez vous cotiser pour m'acheter une lampe à lave. Mais je fais même pas ça pour mes propres abonnés, mais ça va pas. On arrive à The Surprise. Je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Les gars, c'est une boutique américaine. En fait, les gars, Sweet Escape, c'est une boutique dédiée aux snacks américains. J'y suis déjà allée, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur TikTok. Mais aujourd'hui, je fais découvrir ça à Julien, qui n'a jamais été ici. Et on va voir ensemble s'il reconnaît certaines marques et s'il y a des marques qu'il ne connaît pas. La chantilly de fromage. Ouais, c'est la chantilly de fromage. Exactement. C'est bien américain. T'aimes le cornichon, il fait la taille de ma tête. C'est pas bon, les Twinkies. Moi, je veux tester, perso. Pourquoi tu veux tester les Twinkies? Je sais pas, on sait jamais. Les chips, ça meurt ce mouet. C'est quoi cette dinguerie? Attends. Les Pop-Tarts, tu connais? Les Pop-Tarts, je connais. Les Rice Krispies, je connais. Ouais. Oh, c'est les barres de Rice Krispies, ça c'est... Les gars, ça c'est mon petit péché mignon. Les barres de Rice Krispies, parce que c'est... Je crois que c'est un des premiers trucs que tu m'as ramené des États-Unis. Les Reese's Puffs. Ça, c'est pas bon pour ta santé, mais c'est tellement bon. C'est de la sauce au chocolat que tu mets sur ta glace. Hershey, c'est ceux qui font les chocolats qui ont le goût de vomi, non? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas du tout ce que c'est, non. C'est trop bon, c'est dégueulasse. Non, ça a l'air trop bon, t'es malade. C'est à la cannelle, c'est des bonbons. Ouais, c'est à la cannelle et c'est épicé, c'est... C'est dégueulasse. Mais non. Tu connais ça? Ouais, c'est la fin des cônes de glace. Ils te gardent juste la fin et tu manges juste la fin enrobée de chocolat. Ça, c'est mon amour de toujours. Ça. La barbe va pas comme ça. C'est des sortes de réglisses, non? Ouais, il me semble. C'est ça. C'est des réglisses à la fraise, là. Les cheesy, tu connais pas, Julien? Non, je connais pas. C'est des petits crackers. Qu'est-ce que c'est? Un peu comme les... Un peu comme les tucs au fromage. Un peu comme les tucs au fromage ou comme les goldfish aussi. T'as vu, là, t'as les goldfish multicolores. Oh, non. Ça, c'est vraiment le typique américain, du fromage américain, des colorants à fond. Mais qu'est-ce que c'est? Julien, qu'est-ce que t'en penses de cette boutique? La vraie vérité? On n'est pas payé, c'est vachement cher. Maintenant qu'on a fait la petite pause, time to eat dinner. Encore, mais cette fois-ci j'ai faim. Et ça c'est bien. Là, pour ce soir, on va manger à Sony's Pizza, qui est en fait des pizzas complètement américaines de ce que j'ai vu. Pizza au pepperoni, pizza sauce ranch. Bref, je pense que si vous voulez manger une pizza à l'américaine, c'est the spot à tester. Action. Le lieu est super stylé. On commence avec The Petite Dealer de Brooklyn. Allez, chill mon frère. En vrai, Julien, t'as déjà goûté des pizzas à l'américaine? Des pizzas de New York? Ouais. Jamais. Bonnes en tout cas, jamais. Il a jamais été à New York en même temps. Bah ouais. T'as jamais été à New York. Cet été, on croise les doigts. Putain, Lorraine, il y a du ketchup. Mais... Malheureux. C'est de la sauce piquante, Julien. Ah ouais? Oh, de la sauce piquante. Yeah. Ça pique. Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas. Ça me brûle. Ça te brûle? Au fond de l'estomac, là, ça me brûle. Ça me brûle pas forcément là, tu vois, mais ça me brûle là. Je sens que je vais avoir un truc là qui passe, qui glisse et qui coulisse. Ah, c'est pas mal. Ça, on a trouvé le spot de pizza, les gars. Vous voyez ces assiettes qu'on a eues là? Ça, c'est typiquement les assiettes qu'on peut trouver aux États-Unis et à New York. Ça, là, gage de qualité, je vous le dis. Ah, tu me piques une pizza, tu me piques une part de pepperoni, toi. Vas-y, dis-moi ce que t'en penses de la pepperoni. Ouais, attends. Je rajouterai un peu d'huile piquante dessus. Le truc qui est vraiment bien, c'est que, honnêtement, la pizza au pepperoni ressemble à ce qu'on peut trouver à New York. Et surtout, c'est dans une ambiance un peu rap, US. Franchement, je kiffe. On ressort de Sony's, les gars. On ressort pas les mains vides. Comment c'était, Julien? Incroyable. Les pizzas, les ingrédients, la gentillesse de l'accueil. Ils ont une espèce de sandwich avec de la viande hachée, du poivron. Ils nous ont fait tester, mais c'est incroyable. Juste trop bon. Vraiment. C'est excellent. Il y a une super ambiance. Moi, j'ai kiffé l'ambiance un peu rap US. Et le patron, il est trop gentil. Ouais. Bref, en tout cas, super expérience. Franchement. Ah ouais, je recommande à 200%. Je pense que cette journée américaine, Julien, tu vas t'en souvenir parce qu'on a grave bouffé. Mais en même temps. Bah c'était grave bon. C'était super. C'était grave bon, c'était une bonne expérience. Maintenant je ressors en roulant. Bref, en tout cas n'hésitez pas à checker toutes les adresses que je vous mets en description si vous voulez avoir tous les petits spots qu'on a goûté. Et puis à bientôt. À bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez aimé ce concept. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker et puis surtout à vous abonner. Bien sûr, of course. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau concept. Ciao. Des bisous.